travers son exposition inédite, l'artiste Patrice Talency étend son registre pictural et allonge son champ culturel par ce passage sans faille des dessins sur papier à la toile. Avec humour et ironie, il peint dans ses toiles les faits, les mondanités et les travers de la vie courante. Justo Souklati, guide coordonnateur du musée Cercle Africain. L'artiste Andrade Talency, c'est un artiste au début BDiste, il fait de la bande dessinée. Donc aujourd'hui au musée Cercle Africain, il a pensé mettre en place une exposition qu'il a intitulée « De la planche à la toile ». Okay, donc, il commençait d'abord à peindre sur les papiers. Et il s'est dit, mais pourquoi pas mettre ça sur la toile? Raison pour laquelle il a mis en place cette exposition que vous êtes en train de voir des bandes dessinées. À la base, c'est un artiste humoristique. Lui, ses œuvres sont beaucoup plus basées sur l'humour. Et si vous essayez de voir les toiles qu'il a mis en place, vous allez vous rendre compte que c'est des scènes de vie courante qui suscite vraiment l'engouement en des élèves de la place. Adepte de la peinture dite populaire, Patrice Talency, à travers cette exposition, se révèle au grand public. L'artiste a bel et bien été visité par la muse de la peinture. Pourquoi ? Parce que quand les élèves viennent voir ce qu'il a produit comme œuvre d'art pour cette exposition, ils sont très contents. Ils sont très contents pour le travail de l'artiste. C'est pour la première fois qu'il expose au Musée Cercle Africain et c'est la première exposition BD au Musée Cercle Africain. C'est un artiste qui est beaucoup accepté par le grand public. Rares sont des cas de voir les Congolais transverser leur BD en des toiles. Et donc quand les gens voient ça, en grand format, ils sont émus, ils sont étonnés et ce n'est que des bravos qu'il en reçoit dans son livre d'or. Cette exposition vante des œuvres d'art plastique de l'artiste Talency se terminera le 24 octobre au musée Cercle Africain pour d'autres espaces culturels de Pointe-Noire.